qu'on a des témoignages. Peut-être on va commencer par les témoignages. Du fait de mon âge, il est possible que mon état de santé n'ait pas vraiment, été pris au sérieux, ou du moins on n'ait pas du tout envisagé que je puisse être porteuse d'une amylose. Je m'appelle Virginie, j'ai 43 ans. Je suis porteuse d'une amylose AL lambda, amylose qui a été diagnostiquée en novembre 2022. L'année 2022 a été un peu compliquée, grosse fatigue, petits soucis de santé qui s'accumulaient jusqu'au mois de mai où j'ai eu des douleurs aiguës le long de la colonne vertébrale, donc cervicale, lombaire, entre les omoplates. Ce qui m'a fait réagir, aller chez mon médecin, qui a suspecté que je manquais de muscles, qu'il fallait que j'aille consulter un kiné. Sauf que plus les séances avançaient, plus j'étais douloureuse au niveau du dos. Et j'avais aussi des décharges électriques dans les mains. Donc je pensais vraiment que c'était quelque chose que j'avais au niveau de la colonne. Au mois d'août, j'étais en vacances, donc je me suis dit que j'allais me reposer et que le repos allait suffire. Et puis au retour des vacances, mon état de santé était assez critique, donc je suis retournée voir mon médecin, qui devant tous les maux qui allaient un peu dans tous les sens, plus la perte de poids qui avait été importante, a décidé de me faire passer des examens. Parce qu'effectivement, ce n'était pas normal. Donc, s'en est suivi un mois d'examen, mais qui n'allait pas suffisamment vite, puisque mon état se dégradait de façon très, très rapide et importante. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le professeur qui m'a passé mon écho-endoscopie. Et c'est lui qui m'a vraiment entendu, écouté, qui a vu que j'étais en détresse et qu'il fallait m'orienter vers un spécialiste. Ce médecin interniste m'a fait passer un grand nombre d'examens en 15 jours. À l'issue de tous ces examens, moi, je me suis effondrée. J'ai été admise en urgence à l'hôpital. Il savait que j'étais en attente de résultats. Et effectivement, 4 jours après être rentrée aux urgences, le diagnostic d'une amylose est tombé. Quelques jours plus tard, l'amylose a, elle, été confirmée. Je ne suis pas médecin, mais je me demande si le fait que ma maladie se déclare à 40-41 ans, est-ce que c'est pas une des raisons pour lesquelles elle a flambé aussi vite? Pour moi, ça a été décisif d'être une patiente active. Déjà, premier fait, ça a été important d'être actrice tout au long de mon hospitalisation parce que j'ai demandé à voir des kinés en chambre. Une fois retournée à domicile, je me suis construit tout un programme de rééducation qui fait qu'aujourd'hui, je suis là où j'en suis. Et par contre, aujourd'hui, le fait que je sois jeune et que j'ai pris en main ma rééducation, par moments, j'ai l'impression que tout est fait, limite, il y a une rémission, en tout cas une guérison. Des fois, je suis obligée de rappeler quand même que je me suis adaptée à ma maladie, mais que les maux sont toujours là. Et j'aimerais bien savoir comment vivre au mieux avec. Ce qui a été très, très handicapant pour l'évolution du diagnostic, c'est les lenteurs entre les rendez-vous. Parce que pour avoir une IRM, il faut attendre 3-4 mois. Et pour avoir un autre examen, c'est pareil, il faut 3 ou 4 mois. Donc, de 3 mois en 3 mois, on arrive vite à un an. Je m'appelle Jeanne, j'ai 85 ans, mais j'ai toujours été très active, très sportive. Et donc, j'ai été très impressionnée par les essoufflements qui sont arrivés dès 2018. Petit à petit, au bout de 3 ans, on a diagnostiqué une amylose à transthyrétine sauvage, non héréditaire. Dès 2018, la consultation auprès d'un cardiologue a engendré, bien sûr, toute une série d'examens. On en a déduit que c'était une insuffisance cardiaque due à l'âge. Et en 2019, c'est devenu tellement invalidant que j'ai insisté auprès du cardiologue qui m'a remarqué
toute la batterie de médicaments pour des insuffisances cardiaques, prétestant que c'était dû à l'âge et qu'il fallait que j'arrête les randonnées, ce qu'effectivement j'ai fait, puisque dès 2019, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus marcher. En mars 2022, j'ai tellement insisté que mon cardiologue a décidé de m'envoyer à un rythmologue. Et c'est là, effectivement, le rythmologue, tout de suite, à l'échographie, a eu des soupçons d'amylose, tout de suite. Et donc, avec prescription d'un IRM. Mais cet IRM, je voyais donc les rythmologues au mois de mars et j'avais le rendez-vous au mois d'avril 23. Je dis, c'est pas possible. Donc là, j'ai encore insisté auprès de mon cardiologue pour avoir un IRM beaucoup plus proche. J'ai obtenu un rendez-vous en septembre. Voilà pourquoi aussi tout cela traîne, hein, à cause des difficultés pour avoir des rendez-vous. Et là, je me souviens, le cardiologue quand même s'est affolé et il a tout de suite appelé Rangueil. Et j'ai eu tout de suite là, les rendez-vous en octobre et le 7 novembre, j'ai eu le diagnostic final avec la scintigraphie osseuse et puis tous les autres examens. Voilà, donc je pense que c'est un bon départ de partir avec ces deux témoignages de Virginie et de Jeanne et de partir avec des témoignages de femmes aussi. C'est important. Alors je vais voir comment ce truc marche. Hop. Donc moi je vais simplement en fait poser un petit peu des questions et puis pour que la table ronde puisse discuter et échanger. Donc on voit qu'effectivement on est dans une situation qui évolue positivement pour les patients. On l'a vu ce matin à quel point il y a de plus en plus de traitements, de diagnostics, de suivi, etc. Donc on va vers une, comme il a été dit ce matin, on va vers une époque un peu différente. Et finalement, une maladie, quelle que soit la forme d'amylose, qui va s'inscrire dans la vie sur le long terme. Donc, il y a d'autres considérations peut-être qu'on va devoir prendre en cause, en considération ben, les effets indésirables à long terme des traitements, les évolutions lentes de certains aspects de la maladie, on l'a vu ce matin, et puis peut-être qu'on va devoir aussi colliger des données à long terme, parce que finalement, on n'en a peut-être pas tant que ça. Il y a des progrès peut-être à réaliser sur les axes suivants, mais ce sera discuté par le panel pour améliorer la qualité de vie, puisque on l'a vu, on a effectivement énormément de progrès sur les traitements et la prise en charge, mais on reste avec des situations un peu paradoxales, des organes qui ne sont jamais atteints par les traitements, comme l'œil ou le système nerveux central, des formes d'amylose qui restent toujours sans traitement, et puis, comme ça a été évoqué et présenté ce matin, peut-être un sous-diagnostic des femmes dans les amyloses sauvages. Donc, en parallèle de ça, il y a des symptômes qui altèrent lourdement le quotidien des gens et des patients, et qui restent toujours un petit peu compliqué sur la prise en charge, quelle que soit la forme d'amylose, c'est les troubles digestifs, les douleurs neuropathiques et la fatigue qu'on retrouve de manière récurrente, quelle que soit la forme d'amylose et qui altère lourdement le quotidien. Donc une maladie qui va être présente dans la vie du patient, mais dans la vie de sa famille, je pense qu'on peut pas, il faut pas oublier que même les formes non héréditaires s'inscrivent dans la vie de famille, avec une qualité de vie qui va peut-être être altérée pour les conjoints, les enfants, etc. Donc peut-être faut-il apporter une attention particulière aux aidants et qui vont être aidants pour des périodes qui sont longues, et c'est une bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'il faut effectivement les considérer et peut-être avoir un plan d'accompagnement aussi pour les aidants. Comment accompagner le retour à la vie professionnelle et maintenir une vie sociale. Et puis peut-être prêter attention à ce qui rend les gens heureux. Ça peut paraître un peu simple comme idée, mais il ne s'agit pas seulement de prendre en charge la maladie, mais de prendre en charge des personnes qui ont des goûts, qui vont être différents, et pas leur dire simplement bah, « finalement, vous ferez autre chose, hein, vous aimiez faire ça, bah, vous allez faire autre chose, mettez-vous à la piscine. » Et puis essayer de voir comment on peut préserver et discuter avec eux pour préserver les activités qui les rendent heureux, à la fois pendant la maladie, mais
mais aussi sur le long terme, puisqu'ils vont, on voit bien que finalement l'amylose va s'inscrire sur le long terme dans la vie des patients. Donc il faut vivre avec elle. Donc il faut un petit peu l'adopter et puis voir comment on va s'installer avec elle. Voilà. C'était les pistes de réflexion pour le groupe. On va peut-être faire présenter nos orateurs. Enfin, voilà, si vous voulez passer le micro et vous présenter rapidement et pourquoi vous êtes là, il y a des raisons particulières. Jean-Christophe s'est présenté, je pense que ça, il passe son tour. Bonjour, moi je suis Valérie Tempereau, je suis infirmière à Poitiers dans le centre de référence de l'amylose. Bonjour, Estelle Desport, je suis néphrologue à Poitiers, aussi dans le centre de référence. Et donc avec Valérie, on tente difficilement de faire vivre un programme ETP amylose à elle. Bonjour, Julie Pompougnac, je suis psychologue au centre de référence des amyloses cardiaques. Au-delà d'être psychologue, je co-coordonne avec le docteur Gendouze un programme d'éducation thérapeutique auquel participe beaucoup Steven qui est à côté de moi. Et aussi, on a tout un tas de projets en termes d'amélioration de la qualité de vie qu'on a mis en place et qu'on voudrait encore mettre en place. Et voilà, on sera peut-être amené à en parler. Alors bonjour à tous, moi c'est donc Steven, je suis infirmier de coordination sur le centre de référence de Mondor sur l'amylose cardiaque. Je touche un petit peu à tout ce qu'il y a autour avec l'atelier thérapeutique où je suis intervenant et je participe au suivi des patients, notamment les patients avec une amylose à L. Et puis j'aide à l'intervention de différents intervenants, notamment la fée Clochette qui vient dans notre service. Voilà. Bonjour, docteur Mathias. Moi, je suis médecin généraliste et également patient, donc des deux côtés du bureau. Je suis atteint d'une amylose à L depuis un an et demi. Je faisais énormément de montagne. Je me bats pour continuer à en faire un peu et je me reconnais à 100%. Dans les problématiques qui ont été soulevées pendant la présentation. Bonjour, Bruno Armand, je suis également médecin généraliste et j'ai été diagnostiqué d'une amylose à L en 2018 et je suis en arrêt maladie depuis maintenant bientôt 2 ans. David Adams, donc professeur de neurologie à Bicêtre, donc je travaille sur l'amylose neuropathique depuis 35 ans et je suis à la limite plus de porteurs aujourd'hui de cette maladie héréditaire que de patients malades. Donc je pense que dans ce débat, il faut distinguer deux choses, les formes héréditaires et les formes non héréditaires. Dans les formes non héréditaires, je mettrai les sauvages et les AL, puisque ça concerne un individu. Et pour jusqu'à présent, preuve du contraire, il n'y a pas d'histoire familiale, ni enfant, ni frère et sœur. Et les formes héréditaires pour lesquelles il y a beaucoup de choses à faire. La deuxième chose, c'est que je pense que la qualité de vie dépend du moment où on a fait le diagnostic. Plus tôt on fait le diagnostic et meilleure la qualité de vie. Si on se mettait à faire le Mont Blanc à un moment donné et qu'on fait le diagnostic à ce moment-là, ben on va peut-être continuer à faire le Mont Blanc. Si on fait le diagnostic 6 mois plus tard, on n'est plus faire de randonnée, de dénivelé de 1000 mètres. C'est là-dessus. Donc ça, c'est un des enjeux. Et ce parcours où on met des mois et des mois à faire un diagnostic, on perd en qualité de vie qu'on ne retrouvera jamais. Donc ça, c'est sûr. Donc ça, c'est sûrement un des combats qu'on doit mener tous ensemble. Les porteurs génétiques, du coup, on les suit de plus en plus tôt et on peut les dépister à 40 ans, alors que ça se démarre tardivement chez les parents. Donc globalement, c'est là-dessus qu'il faut aller plus tôt et même avant que ça démarre. Donc c'est un petit peu les enjeux du 20e siècle. C'est 10 prochaines années, c'est ça. On est là-dedans. Donc pour discuter, la salle, vous pouvez intervenir et poser des questions. Donc là, David, tu nous pointes le diagnostic précoce. Est-ce que vous, dans votre expérience professionnelle et de patient, qu'est-ce qui pêche le plus? L'idée, c'est qu'on en sorte avec des idées tous ensemble pour améliorer les choses. Qu'est-ce qui pêche le plus dans le diagnostic précoce? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer les choses? Moi, pour l'avoir vécu en tant que médecin, le diagnostic, j'ai eu un prélèvement, une biopsie cardiaque à Grenoble qui s'est révélée négative. Donc je suis resté dans le flou pendant encore un mois avant d'arriver à Paris et d'avoir une biopsie qui s'est révélée, biopsie cardiaque et cutanée qui était positive. Je pense que c'est l'homogénéisation des pratiques.
Et en fait, je vois beaucoup sur les réunions, on parle d'avancées, mais en fait, il y a beaucoup de coins de province où en fait, ces avancées, on n'en profite pas. C'est très, très dur pour la formation des médecins et pour la diffusion de l'information. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on peut faire encore du chemin et on peut progresser. Oui. On l'a vu avec le témoignage de Jeanne, il y a aussi effectivement les délais d'obtention de rendez-vous et qui forcément allongent. Oui, moi je pratique encore un petit peu, je continue encore à faire quelques consultations. C'est la galère quotidienne des généralistes, hein, c'est d'obtenir un rendez-vous d'IRM ou de spécialiste, c'est littéralement épuisant et ça devient de plus en plus long, donc là on perd du temps effectivement. Mais ce qui est en plus incroyable dans l'histoire de Jeanne, hein, c'était Jeanne, c'est qu'on lui a demandé un examen qui n'est pas en première intention dans les recommandations. Quoi. Elle a très bien dit, donc elle attend son IRM pendant un an, alors qu'évidemment, bon, en frappant la porte de l'équipe de Rangueil, ça va tout de suite, mais ce n'était pas l'examen à prescrire. Donc c'est vrai qu'on n'arrête pas de répéter tout le temps la même chose, mais c'est difficile de... Après, c'est une maladie qui est complètement inconnue des généralistes. Hein. Nous, dans notre formation, j'ai dû en entendre parler deux fois. C'est toujours la petite maladie qu'on voit en fin de chapitre, qu'on n'étudie pas parce que c'est tellement rare. Quand ça m'est tombé dessus, moi, j'en avais entendu parler, mais il y a très très longtemps. C'est à peine si je m'en souvenais. Je ne sais pas toi, Bruno, mais... Non, moi, honnêtement, la amylose à elle, avant que je sois malade, je ne connaissais pas. Je travaillais dans un cabinet, on était 6 médecins, et les 5 autres ne connaissaient pas non plus. Donc, on était vraiment ignares devant cette maladie. Et je voulais rebondir aussi sur ce que disait Julien. Nous, en province, les rendez-vous chez les spécialistes, un rendez-vous de néphrologie en Moselle, c'est quasiment impossible à obtenir. Donc ça, c'est vraiment très, très compliqué pour le diagnostic précoce de cette maladie. Bah, en fait, moi, je suis milieu hospitalier et pas très loin de Paris, donc c'est un petit peu mieux, mais on a aussi des difficultés pour avoir certains rendez-vous de toute façon. Mais c'est vrai que quand on voit, il y a quand même une progression. Alors, je parle toujours pour l'amylose AL, l'amylose ATTR. Je sais que sur le délai de diagnostic, on a du mal à le compresser encore, mais l'amylose AL, ça s'est grandement amélioré. Mais c'est sûr que la formation, les renseignements auprès des médecins généralistes. Alors, il y a des. Je ne me souviens plus du nom du congrès, mais il y a un congrès qui est organisé par toute l'association et Thibault pour les médecins généralistes, justement, pour qu'il y en ait de plus en plus qui soient au courant et pour donner les bons examens. Mais oui, la prévention, l'information, il y a que ça, je pense, qui va aider. Et puis après, pour le côté un peu syndicaliste, c'est du moyen humain, des IRM, et tout ça, quoi, dans les hôpitaux et ailleurs. Voilà. Après, la problématique, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous voulez réagir, hein, on ne peut pas avoir tout partout. Enfin, c'est toujours le problème. Et donc, il y a 6000 maladies rares. Et donc, on voit bien qu'à un moment, il faut aider les généralistes à pouvoir référer les patients qui soient orientés après. Et c'est vrai que sur Internet, on a, pour notre partie, beaucoup de patients qui arrivent via le site Internet. Quoi. Mais il faut que le nom de la maladie soit évoqué pour aller faire la recherche. Et beaucoup de patients regardent sur Internet en fait, et s'orientent tout seuls. C'est-à-dire que les médecins n'ont pas le temps d'aller voir pour eux. Quoi. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même eu du progrès, notamment depuis que les cardiologues s'occupent de la maladie. Quand il y a une société de cardiologie qui est plus... Il y a quand même plus de cardiologues que de néphrologues, par exemple, ou d'hématos et d'internistes. Et le fait que les cardiologues aient pris avec la TTR une part importante dans le diagnostic et le dépistage des amyloses, ça a quand même amélioré le délai diagnostique. Après... C'est sûr qu'avoir des rendez-vous chez les généralistes, d'un point de vue syndicaliste aussi, pour les généralistes, c'est compliqué d'avoir des rendez-vous, pour nous aussi. Et les délais, on ne fait pas exprès de les rallonger. Voilà. En tant que néphrologue hospitalier, on sait que les délais sont longs. Et on fait des trous pour les urgences, mais encore faut-il repérer les urgences. Et puis aussi, il faut rappeler que c'est une maladie multisystémique. Il y a des symptômes, des fois, qui sont très faciles, parce que moi, je vois les patients en pré-diagnostic, et quand ils me parlent de leur maladie, quand ils me parlent de leur histoire, en fait, c'est facile de tout relier, parce que, bon, ils sont là, ils ont déjà le diagnostic, enfin,
le pré-diagnostic, ils ont déjà le nom de la maladie vers laquelle ils se dirigent un petit peu. Et c'est vrai que c'est très facile de recouper. Ah bah oui, vous avez un canal carpien. Bah oui, vous avez ça. Bah oui, vous avez ça. C'est facile, c'est en lien. Mais en fait, quand on est médecin généraliste et qu'on se retrouve face à une personne avec un symptôme comme ça, c'est de l'ordre de l'impossible d'aller plus loin, quoi. Enfin, moi, je vais reprendre mon cas personnel. Donc, j'ai été diagnostiqué en 2018 sur une gastroscopie de routine. Donc, j'ai eu de la chance dans mon parcours. Mais auparavant, j'étais arrivé plusieurs fois à mon travail, donc dans un cabinet de groupe de médecins généralistes avec des hématomes palpébraux, donc qui est vraiment un signe presque pathognomonique de la maladie de l'amylose à L. Et ça a tilté personne, quoi. Donc j'ai fait une biologie standard qui était strictement normale. Mais bon, personne ne connaissait cette maladie, même devant des signes assez évocateurs. Dans une histoire qu'on a entendue précédemment, c'est clair que j'ai entendu un terme d'amaigrissement sur une période de quarantaine d'années de 10-15 kilos. Peut-être qu'il faudrait faire passer ce message qu'un adulte qui perd 10 ou 15 kilos, on dit mais c'est sûrement un cancer. Et quand ce n'est pas un cancer, c'est de l'amylose. J'ai vu un jeune homme qui avait sa mère qui était décédée d'une neuropathie amyloïde héréditaire après une greffe de foie. Il s'est pointé à 26 ans. Il est venu me voir en consultation, poussé par son oncle. Il avait perdu 50 kilos en un an, c'est-à-dire qu'il faisait 100 kilos au lieu de 150 avec une grande baraque, il était basketteur. Donc à aucun moment on a évoqué l'histoire qu'on puisse perdre 50 kilos avec une maladie derrière. Donc ça, je pense, je suspecte une amylose, donc je l'envoie à un centre amylose, et je pense qu'en quelques examens, un coup de cuillère à peau, vous allez éliminer l'amylose. Je crois que c'est une des causes principales d'amaigrissement majeur, à TTR ou à L. Donc je crois que c'est sûrement un point sur lequel il faut qu'on avance, un réflexe passage généraliste à un centre de référence. Et je pense que Thibault, tu ne vas pas refuser un patient et tu ne vas pas donner des délais de 3 à 6 mois. Non, mais je crois que tous les centres de nos filières, de toute façon, on est organisés. Donc en fait, l'amylose à L, nous on a créé SOS Amylose Cœur. On se bat pour les prendre dans le minimum tous les... Enfin, dans le mois, mais c'est dans les 15 jours en fonction de ce qu'on nous donne, et on fait tout ce qu'il faut, et on arrive au diagnostic avec toutes les biopsies comprises en moins de 15 jours, c'est-à-dire le temps des délais, des résultats, des examens. C'est ce qu'on essaye de faire avec le réseau Amylose partout en France, hein, mais effectivement, il faut rentrer dans la bonne filière et éviter les biopsies qui se multiplient, etc., et puis les examens, enfin, Dijane, quoi, c'est énorme, mais c'est ce qu'on voit aussi. Alors, comme il y a un message positif, c'est dans notre centre, qui est sûrement biaisé, le diagnostic des TTR, il s'est amélioré en 10 ans, à peu près 10 ans, de 7 mois. On est passé de 23 mois à 15 mois à peu près de délai diagnostique, enfin, ça fait 8 mois. Et pour les AL, par rapport aux premiers symptômes cardiaques, hein, on est passé en 10 ans de 7 mois à 5 mois. Donc on a amélioré le truc de 2 mois en 10 ans. Mais ça va tellement vite que faire moins vite que ça, pour notre centre, mais il y a du boulot, quoi. Oui, c'est compliqué. Le gros problème pour nous généralistes, c'est que c'est le premier symptôme de cette maladie. Je pense qu'en tant que médecin ou en tant que patient, on le vit tous les jours de façon assez aiguë. C'est la fatigue. Et la fatigue, enfin, je ne sais pas combien de patients vous voyez par jour dans vos cabinets qui viennent en vous disant « Docteur, je suis fatigué, c'est un truc protéiforme, quelqu'un qui maigrit ». Ça, un généraliste, hein, Bruno, tu es d'accord, quelqu'un qui perd du poids, nous, ça nous met en panique, hein, on cherche jusqu'à trouver. Quelqu'un qui est fatigué, ça peut être tout et n'importe quoi, psychique, on part dans tous les sens. Ce qui a fait du bien, c'est effectivement au niveau cardio, moi ce qui m'a sauvé, c'est l'échographie. Je pense que l'échographie, le strain, c'est un truc qui a changé effectivement la donne. Les cardios qui savent faire ça dans la seconde, ils disent tiens, ça c'est pas normal, je vais appeler un centre de référence. Moi ça s'est passé comme ça pour moi. Après, pour cette fatigue, bon, effectivement, on peut tomber sur des insuffisances rénales, là ça va être un peu plus compliqué parce qu'on a un peu plus de mal à avoir des référents. Mais gagner encore plus de temps, je pense que ça va être difficile. Elles ne sont pas remboursées. C'est pas. Ouais, mais déjà, nous, on ne va pas y penser. Et puis, ce n'est pas remboursé. Et donc, les gens, il y a des fois, même des gens, je leur dis vous allez faire tel examen, ce n'est pas remboursé, ils font demi-tour. Donc là, il y a un problème avec la sécurité sociale, mais je pense qu'on ne va pas arriver à régler tout de suite. Ça fait un moment, ouais.
Et puis, ces histoires de chaînes légères, les généralistes sont absolument pas au courant. Ça devient de la médecine, de l'hémato un peu compliqué pour un médecin généraliste. Donc, diagnostic précoce, traitement précoce. Mais maintenant, une fois qu'on a la maladie, on a préservé la qualité de vie. Jean-Christophe, si tu veux parler peut-être pour les maladies héréditaires, c'est préserver la qualité de vie une fois qu'on est diagnostiqué, une fois qu'on est traité, si vous voulez après intervenir. Et puis... Donc, un aspect très intéressant dans la qualité de vie, c'est l'aspect nutrition, l'aspect exercice et garder aussi un bon moral. Donc, il faut trouver un certain équilibre suivant l'état dans lequel on est. Conserver une activité professionnelle, ça peut aider parce qu'on se sent encore utile. On côtoie un ensemble de personnes et il y a beaucoup de problèmes gastro-intestinaux pour certaines formes d'amylose. Il faut savoir les adresser. Sur le plan médical, on n'a pas toujours des réponses efficaces. Donc la nutrition est un des éléments pouvant aider là-dessus. Et comme le disent certains neurologues, si on veut conserver la marche, il faut se forcer à marcher. Donc marcher ou toute autre activité. Moi, je ne suis pas très adepte des kinés parce qu'il faut qu'il y ait une dimension un peu ludique, un peu plaisir. Donc si on aime faire du vélo, si on aime nager, il faut continuer ce genre d'activité, pousser à vraiment en faire régulièrement pour qu'on puisse avoir une qualité de vie globale suffisante. Oui, je pense que c'est important de bien connaître son patient, comme vous le disiez tout à l'heure. Effectivement, un patient qui fait du vélo, nous on a des exemples de patients qui sont arrivés, ils ne marchaient pas du tout, mais par contre c'était des grands sportifs. Et donc l'objectif qu'on leur a donné, c'est de pouvoir reprendre leur vélo et effectivement au bout de quelques mois, ils y arrivent petit à petit. Mais je pense que pour ça, l'importance de l'éducation thérapeutique aussi pour qu'ils puissent rencontrer d'autres patients, c'est important. Parce qu'au début, ils s'imaginent qu'ils ne vont jamais remonter sur le vélo. Je pense que si on arrive à faire l'éducation thérapeutique pour qu'ils puissent rencontrer d'autres patients et se dire que ça va être possible. Parce que nous, on leur dit, mais... Je pense que ça a été dit dans le témoignage de Virginie où elle a dit je suis devenue active. Et effectivement, je pense que vous pourrez tous le dire, ou peut-être d'autres personnes dans la salle, le fait de se sentir acteur et d'être acteur fait peut-être effectivement, et l'éducation thérapeutique le permet. Je pense que pour les sportifs, c'est plus facile. Enfin, moi, je prends mon cas, je faisais l'ultra-trail, je faisais de l'alpinisme, de l'escalade. Quand on a cette maladie, on se retrouve complètement au fond du trou avec la sensation que je disais à mes amis, j'ai l'impression d'être dans l'Empire contre-attaque au fond de la poubelle avec les murs qui se rapprochent. Et on se bat tous les jours pour essayer de maintenir son activité physique. Avant, je faisais 2700 mètres de dénivelé. Vraiment, au maximum du traitement, je suis tombé à 300. Un truc, là, j'en sors la semaine dernière. J'ai quand même fait 16 séances de rééducation cardiologique par le sport. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais ça m'a fait prendre conscience d'une chose qui est importante. Je pense qu'il faut le dire aux patients. Il y a une dissociation énorme entre la fatigue musculaire et la fatigue de fond. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à refaire 700 mètres de dénivelé. Je ne cours plus comme avant, je ne ferai plus de marathon, mais je ne peux plus courir. Mais je peux faire de la montagne, je peux aller voir mes chamois, je suis heureux. Par contre, tous les jours, il faut que je fasse deux siestes. Tous les jours, j'ai mes troubles digestifs. Tous les soirs, j'ai mes neuropathies, j'ai mes douleurs. Donc, en fait, la fatigue physique et la fatigue musculaire, c'est deux choses différentes. Donc, effectivement, c'est important de pousser les gens à faire du sport. Ça va les remonter, mais ils seront toujours fatigués. C'est vraiment un truc avec lequel il faut qu'on apprenne à vivre. Et on se sent mieux, mais cette fatigue, c'est quelque chose qui nous accompagne en permanence. Je sais pas. Moi, me concernant, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une qualité de vie qui est correcte. Par contre, effectivement, le symptôme qui perdure et qui est le plus invalidant, c'est cette fatigue chronique où j'ai besoin aussi quasiment tous les jours de faire une sieste. Sinon, c'est très très compliqué. Alors que je suis en rémission maintenant depuis plus d'un an, malgré cette rémission, cette fatigue est toujours aussi intense.
Alors ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, on est différent avant la maladie et après la maladie. Je suis une autre personne, en fait. Et avant, j'étais quelqu'un d'hyper anxieux, qui projetait toujours, tiens, qu'est-ce que je ferai dans 5 ans, machin, etc. etc. Et maintenant, je vis au jour le jour, je vis différemment. Moi, je sais que le travail, personnellement, c'était délétère. J'avais une activité professionnelle très importante et je rentrais du travail épuisé. Donc, c'était pas simple, mais j'ai pris la décision d'arrêter de travailler, de m'occuper de moi, de m'occuper de ma famille. Et je veux pas dire que l'amylose a été bénéfique, mais ça m'a permis au moins maintenant de pouvoir vivre une vie différente et de m'occuper notamment au maximum de mes 4 petites filles. Et ça, sans cette maladie, je n'aurais pas connu ça parce que j'aurais été pris par mon travail. Et je veux dire, l'amylose, pour moi, c'est une pathologie qui est lourde à vivre, mais il faut en tirer aussi, pas les bénéfices, mais je suis heureux dans ma nouvelle vie, en fait, voilà. Merci. Et Julien, Bruno, Jean-Christophe, là, Valérie nous a parlé d'éducation thérapeutique. Est-ce que vous avez pu en avoir, ou Julie, si vous voulez répondre, est-ce que l'un de vous en a eu, et est-ce que ça vous a manqué, ou est-ce que vous auriez aimé en avoir, ou est-ce que vous savez ce que c'est, l'éducation thérapeutique de l'amylose ? Du coup, je vais rebondir, Thibault. Merci beaucoup d'avoir votre témoignage de comment vous êtes adapté chacun, comment vous avez retrouvé une activité, comment vous avez garder vos intérêts propres et ce qui vous correspond. Et du coup, ça me permet d'introduire comment est-ce qu'on peut faire en début de parcours, quand on en est au diagnostic, quand on est à l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut apporter quand on est un centre de compétences ou un centre de référence à ce niveau-là, effectivement, pour accompagner les patients, les aider à redevenir actifs, les aider à gérer leurs symptômes, les aider à s'adapter à leur maladie, mais aussi à revenir vers quelque chose qui leur correspondait avant de tomber malade, à ce qu'ils sont et à ce qui leur correspond. Et en fait, c'est le but effectivement des ateliers d'éducation thérapeutique où on va permettre aux patients de se rencontrer, de découvrir comment les autres vivent, comment les autres gèrent leur maladie, de découvrir à travers leurs échanges avec les autres ce qu'ils sont eux-mêmes et ce qui est important pour eux, et d'envisager l'avenir à un moment où on se dit effectivement tout est fini, je ne pourrai plus jamais faire du vélo ou plus ou autre chose. Et donc, au centre de référence des amylose cardiaques à Créteil, nous on a mis des ateliers en place justement autour de la maladie et ses symptômes cardiaques, déjà pour essayer de comprendre comment ça se passe, comment on peut les gérer, quand est-ce que c'est une urgence ou pas, ou voilà, toutes ces choses-là du quotidien déjà au niveau des symptômes. On a des ateliers autour des troubles digestifs, de la perte de poids et de la gestion du régime sans sel, qui fait aussi perdre du poids parce qu'il faut arriver à manger sans sel et manger autant qu'avant et avec plaisir surtout. On a donc tous ces ateliers-là, et puis on a des ateliers aussi plus adaptés, plus à la carte. On en a eu autour de l'activité physique qui sont arrêtés, mais ça a été fait. Et on a des ateliers aussi de bien-être, et là, qui vont apporter des outils au quotidien pour mieux gérer le stress, mieux gérer la douleur, et mieux gérer son quotidien avec l'amylose, tout simplement. Donc, on a un atelier d'automassage et on a un atelier d'auto-hypnose, mais ça peut être tout un tas d'ateliers comme la sophro, etc. Là, toujours dans le but d'avoir un outil pour mieux gérer son quotidien et redevenir autonome et aller vers une vie plus légère au fur et à mesure que le traitement avance aussi. Oui, pour ces éducations thérapeutiques, moi j'en ai bénéficié au niveau cardio. C'est vrai que c'est pas facile d'y aller en tant que médecin parce qu'on se dit je connais déjà en fait. En fait non, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et il faut y aller quand même. Ce qui fait le plus de bien, c'est l'entretien psychologique, parce que ça on a besoin de lâcher prise avec son ancienne vie en fait. C'est être fatigué pour un médecin, c'est normal, je crois, qu'on est tous fatigués par notre métier. Mais se dire qu'on n'arrive plus à le pratiquer, on se dit tiens, je peux plus, c'est ma vie quoi. Pour rien au monde, je ferai un autre métier que celui-là et je peux plus le faire.
Et puis moi, ma montagne, c'était ma soupape de sécurité. Quand j'en avais marre des patients, je ne peux plus y aller, donc comment je vais faire? On est obligé de s'adapter. Donc effectivement, il y a un temps d'acceptation, il y a un temps de deuil, et puis il y a un temps de... on m'a toujours dit intelligence, c'est l'adaptation. Donc on est obligé de s'adapter au bout d'un moment. Donc il faut changer de vie. Et je crois que c'est le plus difficile à faire, accepter et changer de vie. Ouais. Donc moi, j'ai eu mon diagnostic en 2000. Donc ça fait plus de 25 ans que je vis avec la maladie. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'éducation thérapeutique et de modules de ce type. J'aurais adoré en bénéficier. Donc je me suis fait ma propre expérience. Et pour rejoindre ce qui a été dit, il faut effectivement accepter l'état dans lequel on est, mais accepter sans renoncer. C'est-à-dire qu'il faut garder une forme de combativité. J'ai eu une grève du foie, j'avais perdu plus de 15 kilos. Je me suis forcé à récupérer ma masse musculaire, à être sportif à nouveau, puis la maladie est revenue. Donc il faut se donner des défis, mais des défis réalistes. Donc si on n'est plus capable de travailler à temps plein, il faut faire du temps partiel ou renoncer. Mais surtout, il faut prendre pas mal de recul. Il faut essayer d'avoir une forme de sagesse pour vraiment définir ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour se sentir bien dans son corps, mais aussi avoir une vie équilibrée, avoir des satisfactions, et aussi sur le plan relationnel. Voilà, on veut passer du temps avec sa famille, ses amis, il faut faire en sorte de mettre ça en avant. Et comme le dit Bruno, avec ce genre d'approche, on se sent plus heureux parce qu'on se sent plus en harmonie avec soi-même et avec la maladie qui prend une grande place, mais qui est là. Juste peut-être, si je peux me permettre d'intervenir, on avait évoqué aussi les aidants, donc on n'en a pas dans le panel. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui ont envie d'expliquer aussi ou de partager. Ou peut-être Julie. On aborde les aidants. Et ce que je voulais dire, c'est oui, on a entendu parler de psychologues et puis du chemin qu'on peut trouver soi-même aussi. On peut trouver aussi du soutien pour toujours revenir à ceux qui sont en centre hospitalier au début de la maladie, pardon. C'est effectivement ce soutien psychologique, il est important, mais c'est pas que le psychologue qui peut l'apporter, c'est tout le monde dans l'équipe en fait. Le médecin en soi apporte cette écoute, l'infirmier beaucoup aussi, surtout quand il est coordinateur et qu'il est au plus près des patients. Nos secrétaires, nos coordinatrices, qui accueillent le patient, qui l'écoutent déjà au téléphone et qui l'orientent. Et tout ça, c'est du soutien. Nous, on a la chance de bénéficier aussi d'une art thérapeute qui va apporter ce soutien aux patients, aux aidants, aux équipes. Et ça crée tout un tissu qui vous permet déjà, au moment du début de la maladie ou des hospitalisations, de trouver ce soutien et puis de le développer aussi après à l'extérieur et puis dans vos vies. Et pour les aidants, oui, en fait, on essaye de les accompagner au mieux. Je sais pas chez vous, mais en termes d'éducation thérapeutique, ils sont présents lors des ateliers. Des fois, il y a des ateliers qui leur sont dédiés, tout simplement. Et puis, il y a aussi des aidants en ressources, parfois, qui viennent à l'hôpital et qui viennent accompagner les patients ou participer aux ateliers. Voilà. Est-ce qu'il y a des aidants qui voudraient parler de leur qualité de vie, de comment ça se passe aujourd'hui ? Oui, bonjour, moi, Nathalie, je suis l'épouse de Bruno. Alors bon, je suis forcément certainement un peu aidante, si je ne me situe pas tout à fait comme ça. Mais je crois que ce qui était surtout important, c'est de rester à côté de Bruno, qu'il sache que je sois là. Alors évidemment, on est impacté, on essaye de comprendre, mais on n'est jamais à la place de la personne malade, ça c'est une certitude. Mais moi je crois que j'ai la chance d'être quelqu'un d'assez optimiste, d'avoir toujours aimé la vie. Et je pense que j'ai vraiment essayé, effectivement, quand Bruno a été malade, de continuer à nous laisser au centre de la vie. On a continué à voir nos amis, à faire plein de choses, à être entourés. Et ça, je crois que c'était vraiment très, très important. Et on continue toujours,
toujours maintenant. Et puis aussi, je crois que j'ai essayé de l'aider à effectivement à avoir cette philosophie de dire on vit un jour après l'autre. Aujourd'hui, on est heureux, tout va bien. Personne ne va mourir aujourd'hui. Personne ne va. Voilà, ça, tout se passe bien. Et ça permet, je pense, d'avoir une vie effectivement riche, pleine. Et voilà, je crois que c'était important de ne pas s'isoler. Ça, je crois qu'assez vite, quand même, on l'a compris. Et de continuer d'être dans la vie. Je crois que c'était ça qui était important. Alors, des fois, c'est difficile hein, bah, pour Bruno. Des fois, c'est difficile aussi pour moi. Bon, bah, on se soutient. Puis non, ça se passe plutôt bien parce que je crois que... Puis une vie, c'est aussi... c'est aimer, être aimé. Je crois que ça, c'est important. Et une vie, elle peut être riche et remplie, quel que soit l'âge qu'on a. Et on est heureux, on continue. Et puis, on essaye de pas trop se projeter sur des choses... Effectivement, anticiper les soucis, c'est les subir deux fois. Hein, donc, on essaye de pas faire ça. Bon, c'est pas tous les jours simple. On essaye quand même au maximum. Et puis finalement, bah, moi, je trouve que effectivement, ça va plutôt bien. On est quand même heureux. Donc, c'est bien. Voilà. C'est un beau témoignage d'amour entre vous deux là. Hein. C'est beaucoup l'amour finalement. Voilà. Pourquoi des traitements s'il y a l'amour quand même. Oui. Non, après, je sais pas si vous voulez réagir sur les aidants, mais nous, on voit en fait hein, comment les choses évoluent. Voilà, là, quand ça s'aggrave un petit peu au fur et à mesure et que le fardeau augmente pour le patient et pour l'aidant, on voit que c'est quand même pas simple. Hein, donc, Steven, tu veux intervenir ? Non, je voulais juste te dire, ce qui est important, c'est que vous étiez au courant de tout ce qui se passait. Et alors, on a beaucoup les paramèdes qui psychologues, TP, etc. Mais c'est vrai que les médecins, en tout cas sur notre centre, font quelque chose qui, je pense, est très important. C'est la consultation d'annonce avec la famille. Parce que on a beaucoup de patients en fait qui n'osent pas, ou en tout cas qui vont dire j'ai cette maladie, mais qui vont pas aller plus loin, même s'ils savent parce qu'on leur a fait l'annonce à eux, ils vont pas réussir à transmettre toute l'information à leurs aidants de peur de les blesser. Et ça crée un fossé, en fait. Ça détruit psychologiquement à long terme parce que, en fait, on n'a plus ce rapport, cette complicité, parce que tout n'est pas dit. Et c'est quelque chose que les aidants savent quand ce n'est pas dit et le patient ne veut pas non plus en parler. Donc, c'est toujours quelque chose... Et l'important, c'est vraiment la communication aussi avec les aidants quand on fait un diagnostic, que l'information soit transmise aussi. Alors, c'est dur, hein, ces consultations. C'est dur pour les médecins de la faire et pour les patients d'y participer, et pour les aidants de recevoir aussi cette information. Mais je pense que c'est nécessaire sur le long terme, en fait, sur le long terme. Ce sera toujours un travail d'équipe. Et c'est important. Qu'est-ce que fait l'association, là, le Café des aidants ? Je trouve ça très, vraiment essentiel. Moi j'ai de la chance, ma femme est médecin. Donc, on s'aperçoit qu'on leur fait porter un fardeau énorme. Nous-mêmes, on se culpabilise hein, en tant que patient. On dit, on est dans notre souffrance, mais on voit nos aidants souffrir aussi. On ne peut pas tellement les aider parce qu'on n'est pas en état de le faire. Et le fait qu'ils puissent se retrouver dans des cafés par Internet ou dans des groupes, qu'ils puissent entendre d'autres témoignages, sentir déjà le fait de savoir qu'ils ne sont pas les seuls à ressentir ça, rien que ça, ça fait du bien. Je pense que c'est vraiment essentiel pour eux. Oui, je pense que c'est vrai que pour tous les échanges qu'on a au sein de l'association avec des aidants, à un moment, il faut aussi qu'ils puissent s'autoriser, en fait, avec d'autres aidants, à échanger et à avoir une parole un peu libre et avoir peut-être des phases, des périodes, enfin des endroits comme ça où ils vont pouvoir partager. Donc ça, c'est oui, ils peuvent se plaindre des malades sans nous. C'est pas forcément se plaindre, mais c'est plus en fait échanger et puis partager des difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. En fait, c'est plutôt ça. Jean-Christophe, si. Ah non, moi, c'était juste pour répondre parce qu'il y a une personne, donc c'est monsieur ou madame Fort, qui demandait quel examen, parce qu'au début on a parlé des chaînes légères qui n'étaient pas prises en charge par la Sécu, donc c'est bien les chaînes légères qui ne sont pas prises en charge par la Sécurité sociale. En ville, tout à fait, oui, pardon. En ville, ce n'est pas pris en charge, à l'hôpital, pas de problème.
Juste parce qu'on parle de la qualité de vie, je voulais juste dire qu'on a, y a une recherche en cours sur les effets du massage shiatsu sur la qualité de vie, les symptômes du patient, voilà, dans notre centre, donc je suis investigateur, et que j'espère que voilà, on pourra valider le fait que ça apporte et que vous puissiez bénéficier de ça plus tard. Peut-être Jean-Christophe, si tu veux conclure, parce que tu as quand même une longue expérience de vivre avec une amylose, donc je pense que c'est à toi la conclusion. Bon, ben, on apprécie beaucoup toutes les initiatives qui sont prises dans les centres de référence, les centres de compétences à travers l'éducation thérapeutique pour qu'on ait une prise en charge globale. Donc je pense que ce genre d'initiatives, il faut vraiment les déployer le plus possible dans les différents hôpitaux. Mais aussi, il faut orienter le patient pour qu'il puisse... alors c'est peut-être un travail avec des psychologues, mais qu'il puisse lui-même essayer de trouver son équilibre. Parce que lorsqu'on a des douleurs, lorsqu'on a des dysfonctionnements, ben, la solution médicamenteuse n'est pas toujours l'unique réponse et la meilleure. Hein, en faisant de l'exercice, peut-être de la méditation, en prenant plaisir à des activités pour oublier un petit peu sa maladie. Ben, je pense que cette démarche peut être très positive et très complémentaire avec tout le travail qui est fait dans les différents centres. Merci beaucoup à tous pour vos témoignages. Merci, on va clôturer cet atelier. Merci.